Salut, c'est Gundy Keller et je suis ici pour vous présenter l'ampli Hughes & Kettner Triamp Mark III. Le nouvel ampli phare de la marque propose 6 canaux, 3 préamplis indépendants et 3 sections d'amplification également indépendantes, 3 jeux de lampes de puissance librement assignables et à peu près toute la palette de sons que les guitaristes recherchent. Le Triamp Mark III couvre la plus large gamme de sons de guitare que l'on peut imaginer dans un ampli à lampe. Il embarque également plein de réglages et d'astuces techniques. Voyons pour commencer ce que donnent ces 6 canaux. Démarrons avec le canal 1A, qui donne un son très riche dans la plus pure tradition américaine. Des sons clean purs, sans distorsion, qui délivrent des sonorités claquantes, vous menant tout droit au paradis de la brillance. Le canal 1B donne des sons plus british, avec cette clarté très haut de gamme, enrichie de subtiles harmoniques de distorsion. Le canal 2A produit des sons d'overdrive en grande quantité, qui ont fait les lettres de noblesse du rock. Des couleurs british qui fonctionnent à merveille pour les riffs puissants et les accords agressifs. Le canal 2B est riche et plein de personnalité. Il comporte un circuit spécial qui injecte une sorte de distorsion d'amplification qui donne cette espèce de son emblématique sortant tout droit des années 80 que nous aimons tant. Thank you.
Le canal 3A est dense et puissant, tout en préservant le grain de votre guitare. Le son s'en trouve comme cristallisé, et ceci peu importe le niveau de réglage du gain. Idéal pour les staccato, les guitaristes utilisant des accordages droppés ou encore les modèles 7 ou 8 cordes, le très complet canal 3B est parfait avec sa saturation contemporaine. Idéal pour du métal ou du rock progressif. La fonction Stompbox est un autre point spécifique qu'apporte le Triumph Mark III. Elle agit sur une bande de fréquence spécifique et la pousse d'un cran. En fonction du canal et des réglages que vous avez paramétrés, le boost produira soit un son encore plus affirmé, ou plus crémeux, ou carrément plus punchy. C'est comme avoir 6 différents boosts intelligents juste derrière la pression de ce switch. La boucle d'effet Smart Loop offre un mode en parallèle ou en série pour y brancher n'importe quel effet externe. Voici un exemple de branchement d'effet en série. Voici un exemple de connexion d'effets en parallèle. Le
tout nouveau gate intelligent 2 points mesure le niveau simultanément à deux endroits dans le flux audio, à la fois en entrée et en sortie du préampli. Le circuit analyse ensuite ces deux valeurs pour automatiquement optimiser le temps d'attaque et le seuil du gate pour vous. Voici un exemple du canal 3B avec un haut réglage de gain sans le gate. Puis avec le gate. Absolument silencieux. Le Triumph Mark III est le premier ampli Hughes-Kettner qui intègre la toute nouvelle Redbox avec l'émulation d'ambiance. Un outil parfait pour capturer le son de votre ampli sans utiliser de micro. La Redbox met donc fin à la diaphonie acoustique avec les autres instruments et à la fastidieuse étape du placement de micro, et ce, plus particulièrement pour les situations de live. Voici un exemple de son directement de la Redbox. Le Tube Safety Control, autrement dit TSC, préserve la durée de vie de vos lampes en configurant un bias automatique, ce qui rend également leur remplacement très facile. Mais le plus important est que l'intelligence du TSC peut carrément vous sauver votre concert en cas de panne de lampe. Le Triumph Mark III est équipé d'une puissante technologie MIDI. Mais je garderai cette section pour une prochaine vidéo, où je vous détaillerai toutes les subtilités du MIDI sur le Triumph Mark III. De mon point de vue, le nouveau Triumph Mark III est un cadeau pour les guitaristes à la recherche d'un son irréprochable et d'une polyvalence extrême. Les 6 canaux individuels couvrent une gamme de sons la plus étendue que j'ai pu expérimenter jusque-là sur un ampli. En plus, l'ampli est tellement équipé d'outils intelligents que cela ne fait pas de doute par rapport à ce que d'autres amplis peuvent proposer, comme par exemple avoir 6 boosts individuels, ou encore être capable de choisir parmi 3 jeux différents de paires de lampes jusqu'à pouvoir les mixer ensemble. Tout est programmable et peut simplement être rappelé après une simple pression de switch. J'en suis vraiment fan. J'ai beaucoup d'amplis à lampes, mais j'ai le sentiment que celui-ci va devenir mon ampli de référence. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié en savoir plus sur ce superbe ampli. C'était Gundy Keller, et laissez-moi vous dire au revoir avec ce dernier son.